je suis à court de vie. Qu'est-ce que cette fourberie? Ok, je sais pris. D'accord, la sauvegarde manuelle. C'est un petit peu mal fichu. Regarde, d'autres ponts de lumière. Suis-moi. Oh, oh, ça va, gamin. Quand ils se mettent à charger, un simple coup au corps les fait exploser. La détonation blessera les autres ennemis à proximité. Utile face à un large groupe. Avoir bêtement. Allez, debout. J'aurais pu éviter cette mort stupide. Il peut parer les lancers de hache, mais en le prenant par surprise, Père peut le geler et le ralentir avec un lancer de hache puissant. À proximité de leur cible, ils explosent, nous devons les frapper à distance. Mais merci, j'avais remarqué. Tu rétablis tous les passages. Un truc caché par là.
compliqué. On trouvera peut-être la lumière ailleurs. Non, laisse-moi essayer. Impossible. Allons-y. Attends. Je pense pas que tu puisses y arriver. Allons-y. Je vais y arriver. J'ai besoin de silence. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette énigme à la noix ? Mal à piger cette énigme. Ah, mais la suite, c'est quand même par là.
la mormoelle neuve. Ah, ben voilà, ça c'est fait. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à viser celle qui est là? Voilà. Et voilà. Difficile ça? Nope. J'ai juste mis 5 minutes à trouver la solution. Il y a un visage. Je pense pas qu'on devrait être là. Silence. Tomber sur un gros boss, je sens. T'as entendu? Reste sur tes gardes et ne t'éloigne pas. Un gros boss bien dégueulasse. Dis, quand on aura atteint la lumière, comment on la fera rentrer dans le Bifrost, à ton avis? La sorcière a dit d'entrer dedans. Vraiment? Juste avant d'être arrachée à ce royaume. Comment on lui peut rater ça? Tu étais plus préoccupé par son sort que par notre objectif. Ouh, l'elfe. Silence. Je le tiens. Quittons vite. Ah, retourne dormir. Pas passer loin. Ne t'éloigne pas de moi, Atreus. Pas besoin de me le répéter. Oh, c'est tellement gluant. Inanuna ! En voilà un autre ! Reste là ! Évidemment, à frapper contre le sol, il est stressé. Nous sommes tout près du but, mais on doit rester prudent. Compris? Lumière d'Alfheim. Détruire la colonie. D'accord. Là, quand ça tombera, tiens-toi prêt. On devra faire vite. D'accord. Ils arrivent! Suis-moi et couvre nos arrières! Oui, père! Oh,
dégager la voie. D'accord. Réduis l'intervalle entre tes volets. Tu m'avais dit la précision avant la vitesse. Il y a des cibles partout. Tu ne peux pas les rater. L'étroitesse du chemin devrait les retenir. Reste concentré. Allez. Allez, 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 allez. Atreus. On y est. Tu es blessé? Non, ça va. Waouh. C'est magnifique. C'est blanc. La lumière, elle fait réapparaître le temple tout entier. C'est on la va source de tout visiter. Ça c'est cool. Tout visiter. Écoute, elle chante. J'entends. Je l'entends. Je t'avais dit que c'était elle. Tu crois qu'elle est ici? Oui, ça fait mal la lumière. Ça fait vraiment mal, comme si ma main était en feu. Bah, tu viens de mettre ta main dans un laser. Faut pas idiot. Reste ici. Mais je tu veux dire... restes ici. Ne l'utilise qu'en dernier recours. Tu me donnes ta hache? Je te laisse tenir ma hache. Ce n'est pas un cadeau. Ok, on va y aller au quand point. Même. Courage. Il faut aller dans la lumière. Il est... Bah t'es passé en noir et blanc. Faye. On est dans un trip. Un trip à l'acide. Il faut que tu reviennes. Il y a des collectibles par ici. Tu m'as laissé tout seul. Atreus. Avec lui. J'espère qu'il n'y a pas des collectibles. Il est jamais là. Il veut pas de moi et il m'acceptera jamais. Je sais rien de lui, et il sait rien de moi. Mais je l'intéresse pas. Je suis fort et intelligent. Je suis pas comme il l'imagine. Je sais que j'ai raison. Il me parle jamais. Il veut rien m'apprendre. Ça aurait dû être lui. Tu m'entends? Oui. Lui, pas toi. «
Mais... je le pense pas vraiment. Tu sais que je l'aime. Je voudrais juste qu'il soit meilleur. Je sais qu'il en est capable. Ok. S'il fait des efforts, j'en ferai aussi. Mais sinon... je t'en prie, reviens. Je sais que t'es là quelque part. Que je suis. En quel endroit m'a envoyé cette lumière? Attends! Reviens! Non! Non! Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Je t'ai sauvé! T'étais coincé là-dedans! J'ai attendu encore et encore, mais comme tu revenais pas, alors je t'ai tiré de là! Atreus, je ne suis parti que quelques... À mon avis, t'es parti beaucoup plus longtemps. Non! T'es parti vraiment... très longtemps! Je savais plus quoi faire, tu m'as abandonné! Encore une fois! Pourquoi tu t'en fiches? C'est... punaise. C'est impossible. On devrait partir avant qu'ils reviennent. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais. Oui. Eh ben... regarde, on peut sortir grâce à ça. Mais y a pas de lumière pour créer un pont. On est coincé. Et la corde d'arc de la sorcière ne sert à rien. Là, le gamin nous a fait la morale. Il a eu raison, le gamin. Tentacles sont revenus. Atreus, ton arc. Tiens-le. Voilà, maintenant on peut tirer les flèches lumineuses. Vous avez obtenu des flèches lumineuses, lancez-les sur les cristaux lumineux pour les remplir de lumière d'Alfheim. Obtenu des flèches lumineuses, lancez-les sur les cristaux lumineux pour les remplir de lumière d'Alfheim. Merci, tu viens de me le dire. Quand je te le dirai, lance ta flèche sur la pierre. Ça a marché. Voilà. On peut rebrousser chemin maintenant. Viens. Ah, c'est de la qualité. Les flèches n'arrivent pas à passer au travers de cette chose. D'accord, il est con. Le gamin est un petit peu con dans sa tête des fois. L'escalier est bloqué. On va descendre alors. Tu viens, on descend. Il y a un cristal lumineux. Là, juste devant. Tu pourrais peut-être nous aider à quitter cet endroit sordide. Tu sais pas viser, Atreus.
il y a un coffre là. Je suis pas idiot, il y a un coffre. Si je l'enlève, le passage disparaît, d'accord. Je fais ça. Ça fait un passage au-dessus. Du coup, je vais aller chercher le coffre en premier. Tout là des flèches infinies, le gamin. Cœur fragmenté d'Alfheim. Réduit de 12% les dégâts infligés. L'attaque d'elfe noir effet cumulage jusqu'à 36%. Nouvelle compétence. Effectivement. Qui fait le gamin? Voilà, allume des passages, gamin. Là, il faudra briser les tentacules comme ça. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Libérer le coffre.
Allez. D'ennemis là. Ah, enfin, je peux activer le cristal si tu me trouves un angle de tir. Remontons à la surface. Voilà. Oh, je t'avais pas vu. Toi. Zappé. Non, j'ai tout l'air d'avoir. C'était bien moche. J'ai de l'XP. Oui, mais j'en ai pas assez de l'XP. Là, j'arrive de là. Souvent un collectible. Non, non, j'ai rêvé. Eh non, on n'est pas bloqué. Le coffre. Frappe d'Utgard. Attaque décrivant un large cercle infligeant des dégâts de givre modérés. D'accord.
Paristax qu'on a. Ah la gamme, faut tirer sur le machin qui pend. Tirer sur la pendule. Où est-ce que tu vas mettre ça ? Dans le trou. Il y a du l'or. La lumière d'Alfheim. De la lumière nous naissons et à elle nous retournons. Elle est la rivière des âmes qui nous transforme, nous consume et transcende la vie et la mort. La lumière est la vérité, la lumière est tout. D'accord, la lumière a l'air géniale, mais elle ne rendrait pas un peu fou. Il a pas tort le gamin. Elle rend complètement fou. Y a rien là ? Non. Tiens, tiens, la porte bleue qui n'est pas une porte. Et une vasque de sable. Et comment je suis censé l'attendre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Graine. Mémorise la forme. Oui, c'est bon. Bon, on va retourner chercher la pierre en bas. Tu comptes emporter ça partout ? Pourquoi pas ? C'est très utile, une grosse gemme bleue. Voilà, c'est très utile, c'est ce que je disais. Ça, il manque celle du haut à briser. Là, il y a un coffre. La troisième. D'accord. Mince, où est la troisième déjà ? Ah oui, elle est là. Ok. Je suis pas assez rapide. Est-ce que je peux la viser de là ? Ah, il y a moyen. Oh mais non, ça c'est dégueulasse. Yeah.
temple sacré, on pourrait trouver un moyen de sortir. On pille un temple sacré. Quand j'aurai besoin de ton avis, mon garçon, je te le demanderai. Cool, plus qu'une corne. Voilà, maintenant je peux m'occuper de ça. Ah, ça c'est cool. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. À moins que je puisse passer par là. Non. Pas le lire, sale gamin. Tiens, Atreus, tu peux pas lire ça. Si, voilà, tu peux lire ça. Grimpe et dis-moi ce que tu vois. D'accord, c'est pour grimper. D'ici, je peux pas attendre la vasque. C'est trop loin pour sauter. Attends. Tu dois pouvoir atteindre la vasque. Oui. Vas-y. Le plus grand homme au plus grand arbre, tout commence comme moi. Oui, c'est la graine. Ces ennemis sont stupides. Elles sont pas stupides. C'est bien une porte finalement. Rien de caché par là, on peut pas descendre, non, pas de passage secret, on prend la pierre au cas où, si jamais ça peut servir. Les elfes blancs. S'en fiche totalement de nous, il nous remercie même pas. Attends. Ma pierre. Trophée obtenu, retour au bercail. D'accord, j'ai permis aux elfes blancs de rentrer chez eux. On perd notre temps par ici. Allons-y. Comme tu veux. On peut pas retourner dans le temple. Sérieusement, on peut pas retourner dans le temple. Ah pourquoi ? C'est dommage. Vous avez l'air de vous préparer à un long... Il y a un temple abandonné à Midgard qui servait de réserve personnelle à un autre nain. Il y a entassé toutes sortes de trésors qu'il a amassés pendant ses voyages dans les différents royaumes. Dans les différents royaumes ? Lesquels a-t-il visité ? Et qu'est-ce qu'il en a rapporté ? Fafnir était, comment dire, obsédé par sa collection d'objets magiques. Plus il en avait, plus il en voulait. Aucun royaume n'était trop dangereux et aucune relique hors d'atteinte pour lui. Une fois, il a même traversé tout Niflheim pour une pierre à aiguiser. Ça devait être une pierre à aiguiser très spéciale. Où est-ce que tu veux en venir ? J'y arrive. J'ai justement une pierre de passage pour la réserve de Fafnir. Ça pourrait vous servir. Génial. Merci, cool. Sindri. De rien. Oh, et si vous trouvez cette pierre à aiguiser, j'aimerais beaucoup que vous me la rapportiez. Évidemment. Mago de Fafnir. Je vous conseille d'être prudent si vous visitez cette réserve. J'y suis allé il y a plus de 100 ans et toutes sortes de créatures indésirables s'y étaient installées. Ton ami sera pas fâché si on lui vole son trésor. Oh. Non, pas du tout. Il est mort, je crois. Oh, désolé. Non, ne t'excuse pas. C'est ce qui arrive quand on va de royaume en royaume pour collecter des objets précieux qui ne vous appartiennent pas.
Si je puis me permettre. Oui, mon jeune ami. Ravi de rendre service. Donc on a trouvé une 4 secondaire. Et là c'est fermé. Si j'ai raté des choses dans le temps. De Fafnir, comme une pierre à aiguiser. J'espère qu'on pourrait y retourner dans le temple pour les collectibles que j'ai manqués. Parfait, revoilà l'elfe avec les cornes. Qu'est-ce qu'il nous veut cette fois? Je sais pas, je parle pas l'elfe. Je déteste ce type. Il va revenir. Malheureusement, je parle pas l'elfe. On doit vraiment redescendre là-dedans. Tu vois un autre chemin? Non. Alors? Utilisez l'élévateur de la vasque. En même temps, descendre d'ici, c'est une chute mortelle. Je suis pas expert en chute mortelle pour dire ça. Même si j'aimerais bien retourner dans les îles. Bon, et bien on y va. Comment ça fonctionne? Ah oui, il suffit d'appuyer sur un bouton, un levier. Il suffit d'utiliser un levier. Là, les portes devraient être ouvertes. Exactement. Les monstres sont sortis. Bien, je trouve un nouvel artefact. C'est fermé. Là, il y a un coffre. Il n'y a aucun moyen de remonter ici, tu sais. Je sais. Ouh, ça m'a l'air d'être la suite. Parfait, je vois presque rien. Il y a de la lumière, débrouille-toi. Ah non, non, moi je vais explorer là-bas. Très bien, très bien, très bien.
Ah bah si, y a moyen. Voilà, par ici. Bon, je pense que j'ai tout collecté. En bas, il a l'air de rien avoir. Du coup, bah go aller dans le noir. Pas toi. Allez. Voilà. Ça m'aiderait que tu tiennes la lumière en hauteur pour que je vois où je tire. Fie-toi à ton ouïe, adapte-toi. C'est ce que je fais. Tu le fais exprès ou t'es vraiment aveugle? Il y a une salle juste là. Atreus. Effectivement. Il va falloir trouver un caillou. Tiens là. Voilà le caillou. Voilà les monstres qui sortent de leur porte. Attends, laisse-moi fouiller. Laisse-moi fouiller, le gamin. T'es très gentil, t'es très utile. Ah, voilà. Qu'un seul collectible. Mais tu ne m'empêches pas de fouiller. T'es sûr que c'est une bonne idée de porter ça? Il faudrait pas que ça te retarde si on nous attaque. Reste sur tes gardes et tais-toi. Bah je poserai la gemme au sol si on nous attaque. J'arrive de là. Coffre, ça. Un coffre que j'ai déjà ouvert apparemment. Donc je suis déjà venu dans cette zone en fait. Effectivement, j'ai déjà dû venir ici. C'était pas la zone où... Si, il y avait un coffre avec des runes. Si, c'est bien ça. Atreus, tire. Je sais ce que j'ai à faire. Voilà, le passage. Oui, c'est bien ça, il y avait un coffre par là.
fermé. D'accord. Donc, à mon avis, il faut que je passe récupérer le cristal à nouveau. Poser le cristal, ouvrir la porte, j'imagine, et avoir un coffre avec une énigme ou un truc dans le genre. Comme tout ce qu'on a croisé au cours du jeu pour le moment, et qui est bien fait. Tire. Voilà, je le savais, des runes, mais c'est pour la porte. Il y a un B sur le côté. Voilà. Là, il y a un F. Il y a un W. Quoi ? Non, c'est pas chronométré. Chronométré. C'est chronométré, génial. Voilà. Je vais juste de tirer du bon côté avec la hache. Enfin, de lancer la hache du bon côté. Protection du torse, mais c'est moins bon que ce que j'ai déjà. De l'acier doux de Svartalfheim. Voilà, maintenant on peut continuer. Si j'arrête de me retrouver bloqué contre la porte. Enfin, on peut utiliser la vasque grâce à laquelle on est descendu la première fois. Je supporte plus cet endroit. Ah, voilà, c'est ici qu'il y avait le coffre, tout ça. Oui, je reconnais. C'est pas grave. Et ça lui Vampire Souche depuis hier. Du coup, dans la première Warp Zone, enfin dans la Warp Zone, dans laquelle il y avait des scies, t'as raté un bandage. Voilà, ça, que les portes sont ouvertes. Ah, c'est affreux à jouer, ben je verrai bien puisque je compte le faire. Et j'ai trouvé tous les artefacts qu'il y a ici. Bien,
Ça, c'est bien. Ici, il n'y a rien. Dans la War Zone du niveau, il y avait la clé qui tombait dans les seringues. Non, pas dans les seringues, dans les pics. Là non plus, il n'y a rien. C'est là que tu as manqué un bandage. Dans le premier niveau de la War Zone. S'il n'y a rien. Il n'y a rien. De rien. Ah, quand même, là ça bouge. Alors le coffre qui est là-bas, je l'ai eu. Je fais un petit peu de backtracking pour fouiller. Merci pour le follow, Yohan Ballz. Merci. Et là, c'est bloqué, d'accord. Je peux pas y retourner. J'ai ouvert la sortie, je la referme pile derrière moi. C'est du génie. Fermé. Voilà, ici les portes sont ouvertes. D'accord. De toute façon, je compte refaire une partie en God of War, comme tu m'as dit. Pour l'instant, là, c'est une découverte, donc je le fais en normal. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Notamment avec le mode défi. Ça, j'avais résolu l'énigme hier. Avant de remonter, là, il y a... Non. Pour ouvrir les portes. Mais là-bas, par contre, il y avait des portes fermées. Avec des mobs. Voilà. Collectible. Enfin, de l'argent. C'est pas tellement un collectible, mais ça reste un collectible. Rien. Où sont passés les mobs qui étaient enfermés? Ça, c'est la question que je me pose. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est pris? Non, mais... qu'il est. Ok, ça c'est la mort. Ça c'est mortel. Ok, il se déplace rapidement. Où est-ce qu'il est? Ok.
pas l'air très compliqué. Ok, ça. Allez, tire à ta vue. Allez. Non, à la fin. Ah, je suis déçu. J'allais la voir. Faut que je refouille du coup. Non, ça a été comptabilisé. Allez. D'accord. Ok, tu m'as pris contre un mur. Non. Allez. Tu bouffes. C'est pas le Yofur. Yofur, tu payes. Non, c'est impossible. Qu'a-t-il dit?
on avait commis une grave erreur. La grave erreur, c'est de m'avoir énervé. Colère du loup invoque un loup spectral qui se jette sur l'ennemi à 3 reprises. Les invocations runiques. D'accord, il y a des invocations dans le jeu. Vous avez obtenu une invocation runique, vous pouvez équiper des invocations runiques sur l'arc serre dans l'onglet armes. Maintenez carré pour activer les invocations runiques. D'accord. Bah, je prends. Est-ce que je peux m'acheter les petites compétences? Oui, je peux m'acheter les compétences. Non, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse. M'étonnerait que je puisse acheter une petite compétence à 5000. 5000 à 500. Le coup agile. Tu crois qu'on a aidé le mauvais camp? Je... Laisse-moi deviner. Tu vas me prendre de haut et dire que tu m'avais prévenu qu'il fallait pas s'en mêler. Ça suffit. On peut y aller maintenant. Tu te souviens de la réponse? Oui, oui. La discorde commence à se créer entre le père et le fils. Atreus, Lisa, Atreus, qu'est-ce que ça veut dire? Les seules fois où tu me parles, c'est quand t'as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire? J'ai dit que les seules fois où tu me parlais, c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore si là... Si ta mère était encore en vie, nous ne serions pas là. C'est ta principale utilité, gamin. Traduire. Atreus. Oublie ça. Très bien. Pourquoi tu tournes? Et de la fumée noire qui se dégage. D'accord, oui, c'est pour si je veux revenir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pensais que ça tournait encore. Bon, et bien maintenant, je vais pouvoir retourner en exploration. Là, j'avais fouillé déjà. Pas rencontré beaucoup de corbeaux dans cette zone. En tout cas, c'est beaucoup plus joli en plein jour maintenant. Et là, l'eau est remontée du coup. Je pense pas qu'il y ait besoin de retourner ici. Non, je pense pas. J'y suis allé là. Non, ça me dit rien. Une minute. Je suis pas allé là-haut. Ah oui, mais il n'y a pas d'ouverture vers l'autre côté, donc non. Ça sert à rien que je revienne ici. Bateau.
alors? Elle était dans la lumière? Qui? Tu sais bien. Non, elle n'était pas là. Tu t'en fiches complètement de toute façon. Fais attention à ce que tu dis. Si on veut terminer ce voyage, l'un de nous doit rester concentré. Ne prends pas mon silence pour de l'indifférence. Fais ton deuil à ta façon. Et laisse-moi faire le mien. Oh. Je suis désolé. J'avais pas réalisé. Non. Comment l'aurais-tu pu? Tu ne me connais pas. Je sais que ça n'a pas été facile. D'accord. Dans la lumière, c'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques instants. Si ça peut te rassurer. C'est bon à savoir. Vraiment. Alors, est-ce qu'on retourne à Midgard pour affronter le souffle noir? Ou tu penses qu'il y a encore des choses à voir dans ce royaume? Il y a encore des choses à voir dans ce royaume, notamment cet endroit. Comment je fais pour accéder à cet endroit? Est-ce qu'on peut au moins y accéder? J'ai pas l'impression qu'on puisse y accéder. Alors au niveau de la carte, il manque un corbeau, il manque un coffre et une brèche. Donc j'ai obligatoirement loupé quelque chose ici. Mais quoi? J'en sais rien. Oh, là au-dessus, il y a quelque chose. Voilà, vous avez été occupé, est-ce que je vois? On ne peut rien te cacher. Le sens de l'observation est légendaire. Là, il y a quelque chose suspendu en l'air, mais je ne le vois pas. Atreus, ici. Oui, père. Où est-ce que c'était? C'était suspendu en l'air. Faut que je reprenne le bateau. Où est-ce que c'était? Là. Donc, je vais reculer, me mettre dans l'axe. Dans l'axe des feuilles. Dans cet axe-là, c'est entre les feuilles. Là. Ah mais je le vois pas d'ici, donc je peux pas le cibler. Que je le vois pas, je peux pas le cibler. Pauvre Fafnir, la ligne est mince entre l'ambition. Donc doit y avoir un endroit où ça où accoster. Un endroit que je n'ai pas vu. Là.
Là, je peux pas coster là. Non. Il y a obligatoirement un endroit d'où je peux tirer dessus. Hein, ben de là-bas. Ouais, de là-bas je pourrais. Je suis où sur la map? Faudrait que j'aille là. Là, il y a des choses. Alors, le truc suspendu. Là. Ah, j'étais certain que c'était là. Ah oui, c'est là. J'ai l'impression que je le touche. Voilà. À moi la récompense. D'accord, le gamin qui s'était fait sur le bateau comme d'habitude. À moi la récompense. De l'or d'Aegir. Voilà. Trésor d'Aegir. Toujours pas compris à quoi ça sert. Pas un truc là, caché. C'est jamais. Père, j'ai un aveu à te faire. Toutes ces voix dans ma tête, c'est pas la première fois que je les entends. Ah. Quand on a rencontré Brock, sa bête m'a prévenu que quelque chose se cachait dans les arbres. C'est pour ça qu'elle voulait pas traverser. Elle t'a parlé. Eh ben, je ressentais tout ce qu'elle ressentait, et je savais ce qui lui faisait peur. Si ça recommence, dis-le-moi tout de suite, d'accord? Je te le promets. Poterie qui tremble toute seule. Une première, ça. Oh. Ah si, je l'ai ouvert. Je pensais que j'avais pas vu. Où est-ce qu'on va après? Je ne sais pas. On va fouiller déjà. J'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir descendre ici. Toi. Pourquoi tu t'es agenouillé? Il n'y a pas moyen de descendre là. Passage là. Alors, je suis revenu comme ça. Parce que là, on est d'accord, c'est la chambre du Bifrost. C'est ça. Là, c'est la chambre du Bifrost.
On va se refaire tout le chemin juste pour les petits passages que j'ai vus sur la map pour voir si je peux l'emprunter. Lila. Tiens, j'avais pas vu ça. Si, je l'avais vu. Qu'est-ce que ça dit ? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Ah bah oui, si, je l'avais déjà lu. Après ce qu'on a fait ? J'en doute. Pourquoi est-ce que j'ai réobtenu de l'XP alors que je l'avais déjà lu ? Quelque chose là. Je suis passé à côté de quelque chose, c'est obligé. Il peut y avoir un coffre en liberté que je n'ai pas vu. Juste là, il est censé y avoir un passage. Il y a un mur là. Il n'y a pas un passage, il y a un mur. Oui, il y a un mur, je peux pas passer comme ça. En fait, il y a rien là. Il y a un mur. Hey, je peux pas passer là. Il y a un gros mur. Soit il y a un moyen de passer, je l'ai pas vu, soit je suis aveugle. Oh, il y a pas l'air d'avoir moyen. Et là, il y a un gros mur. Pourtant, s'il y a du brouillard, ça veut dire que je peux y aller. Là, c'est obligé qu'il y ait quelque chose, il y a des passages. Il y a un truc inexploré en plus, ça doit être la chambre. Je sais pas, on reviendra plus tard.
rien là. Non, y a rien. Corbeau, il y en a pas un quelque part par là en train de se moquer de moi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire ça? Non, c'est pas un truc secret. Où est-ce qu'on va maintenant? On va à la réserve de Fafnir. Après tout, on a une pierre de voyage. Ah, c'est vrai, je peux aller qu'à l'atelier de Brock. Je peux pas aller à la réserve de Fafnir. Il est toujours pas là, Brock. Et maintenant ? Nous avons la lumière. Retournons à la garde. D'accord, il n'y a pas besoin de tirer dedans. A priori, on pourra pas aller dans tous les royaumes. C'est où donc la réserve? C'est fou que tous les royaumes existent dans le même espace. L'un au-dessus de l'autre. En fait, cette salle nous permet de voyager sans nous déplacer. Allez, viens de comprendre. Le passage. Ah, Brock est de retour. Brock, on a visité un autre royaume et on a rencontré ton frère. Enfin, pas dans cet ordre. As-tu laissé ce fichu bon à rien toucher à la lame? Évidemment. Tu es au courant qu'il a perdu son talent, pas vrai? Il s'est réveillé un jour et il était parti. Il a essayé de m'entraîner dans sa chute. Est-ce qu'il a esquinté ce petit bijou? Bien au contraire. Ouais, même un cochon aveugle arrive à dégoter une truffe une fois l'an. Mais tu sais ce qui compte vraiment? La régularité. Un coup de marteau et ça moi, passe. C'est une chose que je peux garantir dans tous les domaines. Un coup de marteau et ta hache est améliorée. Un coup de brosse, elle est améliorée. Qu'est-ce que tu as fait? Une retouche. En train de se disputer pour savoir qui améliorera la hache bien, le plus, de la meilleure façon. J'aurai un service à vous demander. Ah, il a une quête lui aussi. Il y a un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Oh, il doit être mort alors. Il est sûrement mort. Mais voilà. Vous pourriez vérifier. C'est un nain lui aussi. Il porte un bel anneau vert. Et il me doit un service. Vous irez le voir?
Si c'est sur notre route. Ah, d'accord, je vois. T'es pas du genre à rendre des services gratuitement, hein. Très bien. Si tu trouves Andvari, je lui demanderai de te bricoler un bibelot spécial. Cette pierre de passage te donnera accès aux mines. Je peux rien améliorer. Alors quoi ? Oui, j'ai perdu. Vous avez perdu des objets. C'est des objets que vous avez égarés sur le champ de bataille. D'accord. Simi, gravé de menace. D'accord, j'ai oublié un objet. Tu veux quoi, dis ? Tu sais ce que tu veux ? Ah. Mais il n'y a rien pour améliorer la force. On va quand même les créer. Toujours un plaisir. Maintenant du balai. Oh, eh ben. Donc, le disciple de Thor et aller dans les mines. D'accord, c'est à ces endroits-là. Là, c'est quoi ? La réserve de Fafnir. Tiens, pourquoi c'est entouré d'un cercle, ça ? Ah ben c'est la maison, ça, pauvre bois. Là aussi, il y a un cercle, la maison de la sorcière. Là, il y a encore de l'exploration, ça doit être la montagne. Là. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Si t'es malin, tu le trouveras. Tu te souviens du chemin qui mène au souffle noir ? Bien sûr. On doit traverser le pont qui donne sur la tour de Vanheim. Est-ce qu'on retourne voir le souffle noir ? C'est pas des corbeaux par là ? Comme tu veux. Non, y a que des mouettes. Y a pas un corbeau planqué là au-dessus. Non, y a que des mouettes. Du coup, est-ce que je peux souffler dans la corne de brume maintenant ? Ou est-ce qu'il va encore me faire sa petite remarque à deux balles ? De « Ah, moi je soufflais pas ». Je soufflerai pas si tu souffles pas. D'accord, il continue de faire sa remarque à deux balles. Regarde, on est déjà passé près de cette statue de Thor, après la grotte de la sorcière. Et c'est dans quelle direction ? C'est le milieu de la matinée. Qu'est-ce qu'il fiche là, ce mob ? Le soleil est là, alors... Qu'est-ce que vous fichez là, les gars ? Le sud-ouest ? Concentre-toi, Atreus ! Prends ça, sale gros dieu ! Allez ! Oh, pourquoi il l'a pas pris ? Ah, ils étaient là parce que c'était nécessaire à l'histoire. D'accord. Drogueur Vélos. Quoi de plus terrifiant qu'un drogueur ? Un drogueur qui vous fonce dessus à toute vitesse. Mère m'a dit que certains drogueurs avaient des pouvoirs spéciaux et cela se propulse sur le champ de bataille en enflammant leurs jambes. Il faudrait être vigilant.
Ah, le serpent, il a sorti sa tête de l'eau. Une tour ? Je ne vois aucune tour. C'est une hallucination. Une tour ? T'as vu une tour ? Où est-ce qu'elle est ta tour ? J'ai pas vu de tour. J'aurais voulu qu'on fasse un voyage comme ça avec Mère. Elle savait se battre, pas vrai ? Oui, elle se battait merveilleusement. Maintenant qu'on a du niveau, je vais aller voir la brèche. Voilà, j'ai trouvé un nouveau lieu. Ah, c'est une tour ça. Ça c'est une tour, d'accord, c'est une tour. Je reconnais des lettres ici et là, mais il nous faut le reste du code scriptural. Ah, toujours pas. Oh, du calme. Ok, eux aussi ils sont méchants. Ah oui, je suis en bas. Je me demandais où j'étais. Allez. Allez. Non, 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 non. Non ! Mais non ! Ah, oh, je suis mort bêtement. J'ai pas pensé à racheter de pierre de raise en plus. Ça c'est nul. Ok, ça c'était nul. J'aurais essayé.
Donc je peux leur mettre 2 R de chargé et ensuite des coups normaux. Ils sont chauds ces mobs, mais j'y arriverai. Comment j'ai fait tout à l'heure pour mettre 2 R de chargé? Je suis allé mal en point. Voilà. Je m'en fiche, c'est legit. C'est legit. Voilà, de la poussière de royaume. Ah, ça régène de faire ça, d'accord. Le fameux corbeau là.
me demande bien comment t'es censé l'atteindre, corbeau. Bon, t'aurais pas une histoire pour passer le temps? Quel genre d'histoire? Je sais pas. Mère avait plein d'histoires. On t'en racontait pas quand t'étais enfant? Mets ça de côté. Nous devons continuer à pied. On finira plus tard? Peut-être. Non mais ce corbeau même en te mettant super haut. Ah, il y a un mur. Il y a quelque chose que j'ai pas compris pour l'avoir. Il y a quelque chose là-haut. Ah oui, il y a un corbeau. Alors, t'as une histoire à raconter? Mets ça de côté. Nous devons continuer à pied. On finira plus tard? Peut-être. Là, y a rien. Il veut pas partir, le serpent. Il veut pas partir, le serpent. J'ai besoin de descendre là. Je crois qu'il s'en fiche. Alors, t'as une histoire à raconter? Non, voilà, je peux pas passer là. Je connaissais un homme autrefois. Ses histoires étaient brèves et instructives. C'est bien. Est-ce que tu t'en souviens? L'une d'elles parlait d'un lièvre et d'une tortue. Comme chez la sorcière? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se défie dans une course de vitesse. Le lièvre est trop sûr de sa victoire et stupide. La tortue est réfléchie et disciplinée. La tortue gagne. Tu racontes pas souvent d'histoires, hein. Pas moyen d'aller sur la tour. Le mob est encore là. Là où il y a le gros serpent. Ouais, j'étais pas venu là.
sur ce corbeau là. Pas moyen d'aller sur le bateau pour taper le corbeau. T'as une autre histoire ? Une seule. Il était un cheval. Un cheval qui cherchait à se venger de son ennemi, un cerf. Mais il ne pouvait pas tuer le cerf seul. Le cheval rencontra un homme, un chasseur, et fit un pacte. Attends, nous finirons cela plus tard. D'accord. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vise clairement pas assez loin, je sais pas comment faire péter ce tas. Où est le tonneau explosif? À moins que je débloque un tonneau explosif portable que je pourrais invoquer, ce qui m'étonnerait. J'ai même pas l'impression qu'il y ait de tonneau explosif. Qu'est-ce qui s'est passé après le pacte entre le cheval et le chasseur ? Il prit le mort et la bride de l'homme et lui permit de se mettre en selle sur son dos. Ensemble, ils tuèrent le cerf et le cheval savoura sa victoire. Mais le chasseur refusa de libérer le cheval et fit de lui son esclave. Donc il a perdu sa liberté pour se venger. J'espère que ça valait le coup. Ce n'est pas le cas. Ah, là aussi, il y a quelque chose. Ce
ceux-là, ils sont toujours vénères. Non, mais toujours du one shot. Pour ceux-là, on ira vraiment beaucoup plus tard. Un récif. Le serpent qui tient, tu crois que c'est le serpent monde? Trop petit. Oui, mais peut-être que Thor, vraiment très grand. J'en doute. Elle est à la tête du serpent, on peut pas passer en dessous. Ah mais si, en fait, je pourrais très bien passer sous la tête du serpent. Qu'est-ce que tu peux raconter d'autre? Une seule. Il y avait l'histoire d'une grenouille. Leur mare ayant séché, une grenouille et son fils partirent en chercher une autre. Ils trouvèrent un puits. Le fils vit l'eau et s'apprêtait à sauter, mais son père l'en empêcha. Il savait que le puits était profond et qu'une fois dedans, il ne pourrait pas en partir si l'eau venait à manquer. Judicieusement, ils partirent. C'est tout? Oui. C'est pas une histoire, ça. Si le fils avait sauté, ce serait déjà mieux. Il serait piégé. Il mourrait de faim sous le regard de son père impuissant. Tu vois, voilà une histoire. Et on va s'arrêter là. Qu'il y a plein de choses à voir. Des trésors provenant de tous les royaumes. Tu penses que Fafnir est aussi allé à Alfheim? Je ne sais pas. T'es pas curieux? Il a l'air intéressant. Nous allons dans sa réserve pour récupérer des choses qui pourraient servir. Pas pour en apprendre plus sur ce nain. Le corbeau.